Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Ganingay, Warul Tit, Warul, Ragal, Malindi Bégué, Dylan Bégué, Dylan Bégué. Donc on va présenter les autres groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait présenté le groupe A du Cameroun et le groupe B du Sénégal. On va présenter les autres groupes donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations avec les favoris et les outsiders. Donc groupe C, Maroc, Ghana, Comore, Gabon. Maroc, Ghana, Comore, Gabon. Donc les favoris naturels sont le Maroc et le Ghana. Donc le Ghana a gagné donc la CAN plusieurs fois, mais depuis les années 80, Ghana gagne une CAN. Maroc gagne un coup aussi. Seul le Gabon et les Comores. Les Comores vont disputer pour la première fois de l'histoire une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça sera le petit poussé, même s'ils ont une très bonne équipe joueuse. Donc le Comore, ils vont jouer les troubles faites. Le Gabon avec Aubameyang, ils vont essayer quand même donc minimum d'accrocher une place de meilleur troisième, parce que le Maroc est le favori ultime, suivi donc du Ghana avec une équipe expérimentée. Les frères Ayew sont là, donc Thomas Partey est là, donc c'est une équipe qui peut rivaliser avec le Maroc. Donc ça c'est très clair. Donc nous avons pour le Maroc, Maroc-Ghana sont les favoris, Gabon n'est que meilleur troisième, Comore, Nibi, Degum, l'autre moins les pronostics. En attendant, les événements, groupe D, Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau. Donc pour le Maroc, Nigeria et Égypte sont les favoris. Nous sommes en Égypte, mais Égypte, c'est une équipe qui se repose sur Mohamed Salah. Donc pour l'instant, je ne dirais pas que c'est une foot de guerre. Ils ont une ossature locale avec des joueurs à Al-Ahli, Zamalek, et des joueurs qui évoluent en Turquie comme Mustafa Mohamed. Donc c'est une équipe quand même. Il y a aussi Ahmed Trezeguet, donc vraiment qui joue en, qui va épauler Mohamed Salah en attaque, qui a fait une très bonne CAN donc 2019 aussi, aux côtés de Mohamed Salah. Donc ce n'est que deux équipes qui vont se jouer la première place. Égypte et donc le Nigeria. Donc Soudan, moi petit poussé, moi Thierry Gamougui, et Guinée-Bissau aussi, avec Mama Baldé, ils peuvent jouer les troubles faits. Donc nous sommes outsiders du groupe. Donc Guinée-Bissau, Nigeria et Égypte sont les favoris, nous avons le premier et le deuxième. Ensuite, Soudan, moi n'est que Thierry Gamougui. Donc groupe E, donc le groupe aussi, un groupe donc serré. Un groupe serré, parce que donc Sierra Leone, maintenant est une grosse équipe, mais Guinée équatoriale, des fois, il y a les grosses équipes. Donc attention, Guinée équatoriale, maintenant il y a Kanakan, Côte d'Ivoire et Algérie. Algérie, c'est le favori. Belmadi, assumez-le. Nen, j'assume, je veux gagner. Je veux faire le doublé. Je veux gagner la CAN 2021 ou bien 2022. Donc Belmadi, l'homme en actif, mon arrière. Donc Belmadi, l'homme en actif, mon arrière. Limougum, d'accord, wah. Bougoum, d'accord, wah. T'as aussi bougoum aussi, d'arène à coucher. Donc Belmadi, je veux gagner la CAN 2022. Donc Algérie, c'est le favori suprême de la CAN et de son groupe. Côte d'Ivoire, normalement, on aurait le deuxième. Ensuite, Guinée équatoriale, normalement, on aurait le troisième. Donc, nous avons un bon petit meilleur troisième. Ça reste à voir. Groupe F, dernier poule, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. Avec trois équipes de l'Afrique de l'Ouest et un pays maghrébin. Donc, Tunisie et Mali sont les favoris. Mais Mauritanie, ils ont une très bonne équipe. Même si Dakhneng, c'est un entraîneur, Corentin Martins. Donc, ils ont une très bonne équipe avec Pape Imnouba qui va essayer de briller pour sa première Coupe d'Afrique des Nations. Sénégalais, mais il a opté pour la Mauritanie pour jouer une compétition continentale. La Gambie aussi, nous avons Moussa Baro, Modou Baro, Hassan Cissé, avec Dab Khan, Abdoulaye Kanté, son beau Gambien, il m'a dit que j'espère qu'il y en a un bon. Donc aussi, ils vont essayer de jouer leur vatou. La Gambie, qui n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations, voudra vraiment faire bonne figure avec une équipe jeune. Donc, une équipe jeune, quand même, qui monte en puissance. Gambie et Mauritanie, ils montent en puissance. Nous y sommes. Gars, ils ne sont pas là, mais ils sont montés en puissance. Ils peuvent vraiment donc bouleverser la hiérarchie dans cette poule. Parce que la Tunisie, des fois, donc comprendre. Surtout quand ils passent, ils jouent, ils gagnent, mais difficilement. Ils n'ont pas de génie, même s'ils peuvent très bien défendre et compte sur Wahbi Khazri, le métronome des Verts de l'AS Saint-Étienne. Donc, Tunisie, Mali, favori. Mali avec une équipe très jeune. Ils ont Djenepo, El Bilal Touré, donc Aïdara, Bissouma. Donc, une équipe très jeune, joueuse. Donc attention au Mali qui va donc jouer donc vraiment son vatou. Le Mali peut créer la surprise hein, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc attention au Mali. Donc Tunisie, Mali favori, Mauritanie, Gambie, ils vont jouer la troisième place. Donc voici les restes des poules donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va voir ce que ça va donner donc d'ici le début de la compétition. Mais pour l'instant donc l'or moi donc le tableau, les favoris sur le papier. Maintenant, on sait que les favoris sur le papier et les outils terrain, ça peut être diamétralement opposé. Mais maintenant, on va voir ce que ça va donner. Donc, les surnoms. Les surnoms des équipes. D'abord,
Finger can bi ñaata lay laal ñaata lay toucher en termes de donc récompense financière. En effet, le vainqueur de la CAN se verra remettre 5 millions de dollars, 4,4 millions d'euros. C'est davantage qu'en 2019, bi xamné 3,96 millions d'euros yo ko nañ ci donc 400 000 euros. Donc on aura 4 millions d'euros. Donc Sénégal buñ gagné CAN bi vraiment rien à dire hein. Champion bi dem 4,5 millions d'euros, finaliste bi 2,64 millions d'euros. Donc c'est pour dire que Sénégal bi passé ça ils avaient de l'argent. Mais gars dañ ko wara investir ci football ñu gis ko. Bu ñame coupe du monde dañ am ay retombé. Motax nak Augustin lool lañ koy wax, il faut réinvestir l'argent. Gis ko concrètement. Demi-finaliste dañ am 2,2, 3e place 2,2, quart de finaliste 703 000 euros. Donc c'est pour dire que la CAN aussi c'est de l'argent. La CAN c'est de l'argent. C'est bien qu'il y a le volet sportif, mais ça va permettre quand même de booster les caisses donc des fédérations. Donc ça c'est très clair. Donc je vais vous donner les surnoms. Surnoms où donc équipe africaine y participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun, nous allons voir les lions indomptables. Parce que aussi, CAN bi, reportage, il y a une digue. Nous avons les Bafana Bafana, nous avons participé. Les Chipolopolo de la Zambie, nous avons participé. Mais il faut que vous sachiez les surnoms. Nous avons beaucoup de choses, mais nous avons peut-être que nous avons. Donc, nous avons fait des choses. Puis nous avons fait des choses pour nous faire des choses. Nous avons dit, avec Grégoire Dumbaye et Dara Moussède. Donc, les lions indomptables du Cameroun. Les lions indomptables. Moi, j'ai gagné des gens. Nous avons gagné des lions de la Teranga. Moi, j'ai gagné des lions de la Teranga. Mais il faut que nous gagnions des gens. Sénégal, les lions de la Teranga. Algérie, les Fennec. Les Fennec de l'Algérie. Mali, les aigles du Mali. Tunisie, les aigles de Carthage. Burkina Faso, les étalons, Fassou, Amdolé. Guinée, le Sili national. Comores, les collantes, poissons préhistoriques. Les collacantes, ils ont des jeunes. J'espère que vous avez des safres. Vous avez des safres, vous avez des savons. Ou à Comores. Égypte, les pharaons d'Égypte, les rois. Gabon, les panthères. Gambie, les scorpions, ils ont des jeunes. Ils ont fité. Ou à Gambie. Ghana, les Black Stars. Les Black Stars du Ghana. Guinée équatoriale, l'éclair national, nous avons le nom. Zimbabwe, les guerriers. Les guerriers face au lion, moi le premier match, le 10. Maroc, les lions de l'Atlas. L'Atlas, moi les montagnes du Maroc. Nigeria, les super eagles. Les super aigles. Côte d'Ivoire, les éléphants. Soudan, les faucons du désert ou les crocodiles du Nil. Attention, Soudan. Malawi, les flammes. Ah, Sénégal. Bah, n'y a les flammes, Malawi. Mauritanie, les mourabitoun de la Mauritanie. Éthiopie, les antilopes. Hein? Antilopes, ils ont déjà un peu de mais Éthiopie, ils ont une bonne équipe, ils progressent. Football, ils ont équipe. Ils ont gagné la CAN une fois. Guinée-Bissau, les licaons de la Guinée-Bissau. Cap Vert, les requins bleus. Ils ont tout dit nous l'ont. Sierra Leone, les étoiles du Léon. Donc, là, moi, les surnoms de la Coupe d'Afrique des Nations, donc qui aura lieu du 9 janvier au 6 février. Espérons que le Sénégal gagne la CAN. Donc Grégoire, il y direct. Match Sénégal, il y a un plateau spécial avant et après match. Il y a un match aussi, il y a le débrief du soir. Le journal de la CAN, il y a un défaut jingle, il y a un le journal de la CAN, il y a un match qui dure 19h, 20h, 20h30, 21h, nous tech direct. Tech le journal de la CAN. Comme ça, kune meuna ñu meuna débrief CAN bi wax les statistiques wax les résultats de jour et prévoir les matchs du demain. Amul sara, vous allez suivre la CAN avec Grégoire. Pour vos publicités et tout, n'oubliez pas de nous contacter. Service commercial de Grégoire 70 825 42 20, 70 825 42 20, numéro WhatsApp. Dañ défal jingle bi défal affiche CAN bi, ça sera avec Grégoire. Omnisport di ñaan Sénégal jël CAN bi. Coupe lañu bëgg Sénégal, coupe lañu bëgg Tédiou Reuss, Tédiou Reuss.